Hôtelier, comment est votre petit déjeuner? Est-il à la hauteur des enjeux de ce moment crucial pour la satisfaction de vos clients? Bonjour à tous, bienvenue dans Amélie News, je suis Marc-Antoine et aujourd'hui je souhaite vous parler de vos salades de fruits. Enfin, pas uniquement. Le petit déjeuner que vous servez dans votre hôtel peut vous paraître être un moment anecdotique. Et pour autant, il est l'un des moments les plus importants du séjour client, si ce n'est le plus important. Tout d'abord, le petit déjeuner annonce la journée à venir, à savoir si elle sera bonne ou non. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas vous rater pour éviter d'avoir des clients grognons. En plus de ça, c'est sans doute la dernière chose que vos clients vont faire avant de quitter votre hôtel. Autant vous dire que si vous voulez avoir une bonne e-réputation, il faut vous assurer que cette expérience soit la meilleure possible, sans quoi vous allez obtenir des commentaires négatifs sur Internet. Et vous pouvez regarder beaucoup des commentaires négatifs que vous trouverez sur Booking ou TripAdvisor ont comme sujet principal le petit déjeuner. Pour vous aider, nous avons rédigé un article de blog avec 5 conseils à suivre et évidemment 5 erreurs à ne surtout pas faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous encourage à lire cet article, il est très rapide et ça va vous servir. Autre chose, avoir le meilleur petit déjeuner du monde, c'est bien. Mais si vous n'avez personne pour en profiter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voici donc une vidéo qui va vous aider à booster vos réservations directes grâce à Google Hotel Search. Ne la manquez surtout pas. Et bien sûr, si vous souhaitez rester informé de tout ce qui se passe avec Amélie News, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le lien est quelque part autour de cette vidéo, probablement en dessous. Et inscrivez-vous à notre newsletter sur amenities.com. À la semaine prochaine.